Bon, entre nous les gars, on a tous déjà acheté ou été clients de la célèbre entreprise du monsieur au crâne chauve, Amazon. Oui, c'est très joli carton. Arrêtez de mentir, je sais qu'on est tous clients. Bref, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est des produits en vente sur leur site qu'on connaît pas forcément et qui sont un petit peu futuristes. Et honnêtement j'ai hâte parce qu'il y a beaucoup de vidéos et de chaînes YouTube. Attendez, c'est mal cadré là, attendez, putain. Bon, je suis pas cadreur moi. Alors voilà, il y a beaucoup de vidéos qui traînent, des vidéos plus ou moins récentes, il y en a vraiment à peu près tout le temps, de produits un petit peu futuristes qui ont été développés et qui sont en vente sur Amazon. Et honnêtement, j'ai très hâte de découvrir ça avec vous. Aujourd'hui, je vais pas tout simplement raconter le produit, comment il fonctionne, mais plutôt réagir. Bah, est-ce que le produit il est bien ou pas? Comment je le trouve? Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que c'est de la merde? Mais voilà, aujourd'hui, je vais pas présenter les produits et je vais réagir. Mais juste avant, tu vois ce bouton là? Voilà. Et bah, tu vas cliquer dessus et ça va t'abonner automatiquement à la chaîne YouTube. Donc clique très vite dessus pour être abonné. Et surtout n'oublie pas, fais-le maintenant, sinon tu vas oublier. Et pour vous donner un exemple très concret, ça, ça vient d'Amazon. Ça aussi, cette lumière également, je sais pas si on la voit bien. Et ce petit cactus qui n'a plus de pile aussi. Voilà, enfin bref, il y a beaucoup de choses achetables sur Amazon. Même de la nourriture pour ceux qui ne le savaient pas. Je vous déconseille, mais bon, il y a de tout sur Amazon, c'est fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les vidéos futuristes de produits achetables sur Amazon, c'est parti. On met donc le casque et on est parti avec la première vidéo les amis. C'est quoi ces AirPods? Attendez, non mais les gars, attendez. Ok, elle est sortie décembre 2019. Bon, il y avait les AirPods quand même, mais ça c'est un peu chelou par contre, hein, vraiment. Qu'est-ce que c'est? Mais... Non, franchement, j'espère que je vais pas me taper des vidéos avec des mecs chelous à droite et à gauche qui mettent un tapis derrière une meuf qui a des AirPods plus grosses que sa tête. Eh ouais, mais... Eh bah communiquez. Pourquoi il y a des personnages comme ça? Vraiment les gars. Allez c'est bon, on passe à la prochaine. Oh, ok, donc là on a quelque chose qui permet de refroidir un verre. Ça, ça peut être super pratique. J'ai déjà unbox un produit chinois qui faisait à peu près la même chose, sauf que ça faisait l'inverse. Ça réchauffait les tasses. Et là honnêtement pour l'été, bah on va voir ce que c'est. Si je dis pas de la merde, c'est pour les refroidir. Exactement. 6 secondes pour que ça refroidisse. Non, ça j'y crois moyen. Après, ça dépend de ce qu'ils appellent refroidir. Mais 6 secondes, c'est quand même. Enfin voilà. En plus, si c'est connecté en USB, j'y crois moyen. Ça me donne envie de boire tout ça là. Bon, l'utilité de ce produit, alors qu'on peut avoir des glaçons ou un frigo, à moins qu'ils aient des gardes-manger et qu'ils soient à l'époque médiévale et qu'ils se battent avec des épées en pierre comme sur Minecraft. Mais en soi, je vois le produit, ça peut servir et tout. C'est pas mal, j'ai découvert un truc. Bon, c'est peut-être pas le produit le plus fou, mais bon là, ça commence à me faire chier, donc on va passer au prochain produit. Merde! Ok, là on a un sac à dos. Alors ça, je l'ai vu sur la miniature, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est parce que ça a l'air très chelou. Pourquoi? Pourquoi avoir un sac beaucoup plus lourd? Je comprends pas. Le gars qui porte ça gros, dans la rue, il doit vraiment passer pour un gros geek sa mère. Genre vraiment les stéréotypes du geek. Hardcore, hein. Vraiment. Ok, par contre, c'est un panneau publicitaire genre en fait le mec. RGB. On dirait quoi? On dirait qu'on parle de mon clavier les gars, c'est RGB. Allez, c'est parti. Oui, ok. Donc ouais, tu peux mettre le message que tu veux, mais bon, ça fait un... peu chelou quand même, non, je pense. Est-ce que c'est lourd? Je sais pas, puisque si c'est super lourd, frère, l'utilité... Ah non. Non mais vas-y. En fait, c'est le sac de David Guetta, les gars, on l'a trouvé. C'est le sac à dos de David Guetta. À part le fait qu'il affiche un petit peu des trucs, il y a quoi d'intéressant? C'est tout? Un sac à dos de merde? Le voilà ton sac à dos. Pas besoin d'acheter un truc qui fait de la lumière. Il est super léger lui, il est bien, non? En vrai, pourquoi rajouter des LED partout? Encore sur les claviers et les souris, oui. Mais là c'est comme si... C'est comme si t'étais là, et là t'avais une lumière dans le dos. Eh, salut les mecs, ça va? Pour le coup, j'ai pas du tout capté l'utilité de ce produit, c'était vraiment très useless, un sac à dos avec des lumières. Pourquoi pas? Mais personnellement, je cherchais des produits vraiment très futuristes. Donc on passe au prochain produit, qui a l'air d'être un drone, hein. Je vais pas vous spoil, mais entre nous, ça ressemble vraiment à un drone. Alors ça, tu vois là, poubelle. Ok, c'est parti. J'en ai marre, les gars. On n'arrête pas de me vendre des formations en ligne. J'en ai marre, regardez. À chaque fois on me propose des formations en ligne, j'en ai marre. S'il vous plaît, arrêtez. Mais démarquez-vous les mecs. Et moi j'ai la flemme d'acheter, hein. Vraiment, allez hop. Hop, ta gueule, hop. Ok, donc là on a un petit drone qui filme. Par contre, ça...
Ça a l'air d'être demi-tour, hein, parce qu'une qualité d'image comme... Enfin, non, j'ouvre peut-être trop ma gueule. Bon, ok, supposons. HD photo et vidéo, ok. Bon, jusqu'à là, rien de trop innovant entre nous. Là, je veux bien croire. En fait, c'est une espèce de perche à selfie à distance futuriste qui fait du bruit. Mais après, je vois le bail, ça peut être super cool. Mais bon, est-ce que tu vas utiliser ça tous les jours, étant donné que ça a pas l'air d'avoir une super qualité pour faire une photo Instagram? Je sais pas. Ok, l'image a l'air super cool quand même. Ok, il y a un beau design et tout, mais bon, enfin, moi je cherche un truc plus innovant. Allez, c'est parti, on passe au prochain produit. Ok, ScanMaker Air Scanning Translate et Read Aloud. Bon bah d'accord, ok. Ça, ça a l'air d'être super cool. J'ai déjà vu ça. Donc tu prends ton objet, bon là c'est, enfin, c'est une tondeuse quoi. Tu l'allumes, tu regardes un livre, et là, magie, t'as juste à passer comme ça. Et tout est retranscrit en Bluetooth sur un appareil, soit ton PC, soit ton téléphone. En l'occurrence, là, c'est un téléphone. Mais franchement, ça peut faire gagner énormément de temps. Ça peut être super pratique. Ça, c'est super innovant. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, donc c'est. Mais les gars, ça veut. Genre, c'est trop bien. Et ça peut translate. Mais bon, ça, c'est du plus. Mais honnêtement, faire en sorte de retranscrire un texte en dur sur du virtuel, ça, c'est vraiment super cool. C'est trop stylé. Ok, alors là on peut noter aussi, on peut noter le fait que on dirait que ce monsieur est en train de faire une anti-sèche et qu'il est content de douiller ses profs, hein. On dirait qu'il est vraiment content de douiller tout le monde. Voilà, je douille mes profs, je gagne du temps. En parlant de gagner du temps, ok, je vais vous montrer un petit truc. Si vous voulez faire vos devoirs à distance pendant le confinement, et bah par exemple on va écrire, je sais pas, je me suis abonné à Julien, réécrire. Et là le texte est différent, donc vous pouvez faire ça avec des grands pavés et en faire l'utilité que vous voulez. Mais bon, moi je viens de vous donner une piste là. Si vous voulez gagner du temps en confinement, bah allez-y. Je suis pas responsable, m'emmenez pas en prison. Ok, bon, on me l'a assez vendu les gars, honnêtement. Ce produit je le trouve innovant, très pratique, assez design, il est cool. Bon allez, on passe au prochain produit, parce que là c'est bon. Ok, scan. Ok, tu peux mettre tes textes sur PC, mais bon. Merde. Hey. Qu'est-ce qui se passe là? Encore une tasse? Non! Bon, ça a l'air d'être un petit peu de la merde. Ouais, enfin, ouais, ok, juste voir la température. Bon, allez, on se casse. Oh là! Oh là! C'est quoi que je viens de voir? Non! Non! Ça, c'est un truc complètement. Bon, je vais pas. Non, c'est moi, bon, après, on va m'en prendre pour un, mais bon. Enfin, les gars. Mais pourquoi ça existe ce genre de truc? Alors ça, ça a l'air d'autant plus honteux, les gars. Donc c'est parti. Ok. Attendez. Je vais mettre un peu de musique parce que j'ai besoin de me changer les idées. Voilà. Les gars, il y a deux types de personnes. Ceux qui portent des AirPods et qui sont discrets. Et ceux qui portent des Glow Headphones. Là, c'est vraiment l'opposé. T'as des mecs qui sont discrets avec des AirPods et des mecs qui veulent jouer encore du RGB, comme avec le sac. J'imagine bien un mec avec les écouteurs et le sac. Ah, c'est David Guetta en personne. Bon, bah, prochain produit, les gars, parce que, enfin, du coup, allez. Oh, ça a l'air cool. C'est un scanner de poche Pocket Printer. Oh! Oh, même pas! Et il imprime! Non, par contre, ça, les gars, ça c'est super. Honnêtement, c'est. Mais honnêtement, ça c'est super. Ça a l'air de prendre un tout petit peu de temps. Mais en vrai, une imprimante de poche, c'est dingue! C'est stylé, c'est très très stylé. Ça c'est futuriste, les gars. Honnêtement, je. Bon, peut-être c'est un peu moins ça. On passe au prochain produit, hein. Et pas lui parce que ça a l'air d'être un petit peu de la merde. Les gars, j'ai encore vu quelque chose. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Jeu de merde. Donc ici on part clairement sur un bundle avec les écouteurs, le sac et les lunettes. On va essayer d'être convaincus, mais bon. Ok, là c'est beaucoup plus intéressant. Mais je me vois mal me balader dans la rue avec. Bon bref, en tout cas c'est pas mal. Ok, ouais. Pourquoi pas. Ouais, enfin. À part le fait que tu passes un petit peu pour un malade avec des caméras sur tes lunettes, je pense que ça peut être cool dans certaines situations. Bon,
Les gars, on a assez vu pour aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas tombé sur les meilleures vidéos parce que là, on n'a pas réellement appris de choses. On a quand même beaucoup rigolé. Mais si ce genre de vidéo vous plaît, je vais refaire une vidéo où est-ce que je vais regarder des vrais produits. Enfin, des vrais produits. Des produits très intéressants qu'un ami sélectionnera pour que j'en fasse une vidéo réaction. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous tout de suite avant que ce soit la fin de la vidéo. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX et rejoignez-moi sur Twitter et Instagram. Tous les liens sont en description. Bisous à tous, c'était JX.